apprendre que je sais ce que j'ai reçu, mais vous ne le savez pas. J'ai une boîte un peu particulière, un format très... vous avez pu le voir, ce n'est pas une boîte rectangulaire, c'est triangulaire. Donc vous en doutez sûrement ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu un petit accident, mais... J'ai pas peur, je suis confiant. Par contre, quelques semaines ou quelques jours plus tard, j'ai reçu ceci. Une petite commande que j'ai passée chez Bambox. Une autographe que je ne pouvais pas laisser passer. Trop alléchant. J'ai succombé. Je remercie grandement mon ami Régis, que c'est lui qui m'a pointé vers cette direction-là. Et faible que je suis, j'ai succombé. Mais je ne regrette aucunement. On va passer à l'unboxing. Voilà, vous pouvez voir un poster. Donc on va commencer avec la pièce maîtresse, l'affiche, le poster. Voilà. Oh. Inutile de vous dire que je suis un grand fan de Tortues Ninja. On voit les quatre tortues avec l'écriteau qui dit: dites non aux drogues, dites oui à la pizza. Et si vous remarquez bien, juste en haut, juste en dessous du bas de Donatello, belle signature de Kevin Eastman, le co-créateur des Tortues Ninja. C'était une pièce qu'il me fallait en tant que grand fan de Tortues Ninja et collectionneur un peu. Voilà, donc trop belle, je suis vraiment trop content de l'avoir, mais je m'attendais pas à une affiche aussi géante. Et ensuite, nous avons des Teens. Je ne me souviens même plus combien, je pense 4, ça serait les 4 Tortues Ninja, ça serait logique. 4 effectivement. Ah, par contre, ce n'est pas les Tortues Ninja. Nous avons Crank, mais sans son costume humanoïde. Shredder, si tu vois, il ressemble à de la pizza. Rocksteady et Bebop, j'adore, merveilleux. Donc, on va voir ce qu'il y a dans la petite. Je ne me souviens pas qu'ils avaient dit qu'il y aurait quelque chose d'autre. Par contre, je ne m'attends vraiment pas à grand chose. C'est mince, c'est carrément une lettre, peut-être un modèle réduit du poster. Ah, d'accord, le certificat d'authenticité. Voilà. En fait, on avait le choix entre un poster et une carapace. Il disait: cette carapace ou poster a été signée par la main de Kevin Eastman, le co-créateur des Tortues Ninja. Je suis trop content. C'est la pièce qui me manquait. C'est la signature. Vraiment trop content. Mais je veux savoir vous. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûr que moi, je suis un fan fini de Tortues Ninja. Mais vous, c'est ce que vous auriez craqué? Et si oui, pour la carapace ou pour le poster, je veux le savoir. Dites-nous-le dans les commentaires. Et encore une fois, merci d'avoir regardé Squeaky. Je vous dis à la prochaine.